Hello les gens, c'est RMP, bienvenue pour un nouvel épisode de notre série de Daily Show sur Europa Universalis 4, série dans laquelle on est en guerre avec nos ennemis de... je sais même plus comment ils s'appellent, on a jamais le bon général, c'est terrible. Bon, c'est pas grave, on va finir de prendre ces deux trucs, puis on changera. Alors... Bon, il y a un 2 de siège ici. On va faire ça simplement... Donner le canon pour s'assurer que les gars partent pas. Nous, on va aller de ce côté-là. Et on va se rejoindre pour se battre contre ces deux gars à Paris, à Mana, après. Ah, ils sont en train de partir maintenant. Ok, bon, c'est pas grave. Et j'imagine que ça, c'est effectivement effectif de garnison, plus 25%. C'est pas hyper utile, mais c'est pas grave. Un marchand de plus, on aura. Ok, point une note. Une note. Continuer ici. Âge d'or des Mamelouks, soit. Parfait. On gagne plein de bateaux. Est-ce qu'on a choisi le fait de récupérer des bateaux comme doctrine navale? Je me rappelle plus. Non, on a juste une combativité des galères augmentée. Ok, donc on a juste eu de la chance. Peut-être un peu de manœuvre, c'est notre gars. Bon, il a un de manœuvre, je crois que c'est ça qui détermine en partie si on peut récupérer des gens. Va venir ici, toi. Enfin, viens là, ce sera beaucoup plus utile que là où, de toute façon, leur capitale est dans les montagnes, entre guillemets. Pas vraiment les montagnes, mais on se comprend. Trait avec Banjar a expiré. D'ailleurs, on peut refaire une revendication sur Banjar. On a fait une ici. Faisons une là. Et on peut refaire une revendication sur Sunda. On a fait une ici pour la province qu'on veut absolument prendre. Faisons une ici pour la province qui est la plus jolie, et qu'on pourrait éventuellement prendre dans la guerre qu'on fera contre eux, qui ne devrait pas trop tarder, honnêtement. Revenez ici, vous, pas de soucis, on va défoncer leur bateau. Comme souvent, on récupère un bateau dans l'histoire. Vous pouvez aller protéger le commerce en Malacca. Top. Et vous pouvez aller... vous reposer pour le moment, je dirais. Dans ce sens-là. De nouveau, hein, je sais pas si on peut. Ok, ça va être réglé. De toute façon, ils sont pas beaucoup. Bon, des oulémas. Les oulémas perdent 10 de loyauté. Ok. Ils gagnent 10 de loyauté. On peut se permettre de perdre 15 de prestige si c'est un intérêt de faire gagner de la loyauté aux oulémas. J'ai pas l'impression. De toute façon, on peut pas cliquer. Ça avant 2 ans, ils ont remonté au-dessus des 50% à ce moment-là, donc il n'y aura aucun souci. Le prestige, ok. Le légalisme ou le mysticisme. On a plutôt intérêt à aller vers le mysticisme, donc tout pointe vers ça. Donc allons chercher ces 10 points de prestige, c'est bon à prendre. Je sais pas si on arrive à gagner là-dessus. C'est quoi comme un truc? C'est pas terrible. On va finir ça et on enverra la flotte avec ces troupes-là. Ils décident de partir quand même finalement. Il y a un échange, s'ils partent avec leur 11 après. Troubadour itinérant, yes. Ah, c'est pour ça qu'il y a un... Ok, dommage. Bon, on les aura pas eu longtemps ces 10 de prestige, mais c'est pas grave. Alors, ça, il faut le... donner à Passai, parce que c'était leur province. Ça, ce serait bien de finir avant qu'ils nous attaquent. S'ils nous attaquent. Ok. Yeah, parfait. Alors. De. Eux. On les a pas rendus qu'obligeants. On peut éventuellement prendre ça, mais c'est cher.
prenons rien. Rien. Trêve courte. Ils ont plus d'alliance si je me cours pas. Regardons. Ils ont une alliance avec Ayutthaya. Non, vous la virez. Ça, il n'y aura plus de Barousse. Et ça, ça ne pose aucun problème. C'est même bien que vous ayez votre alliance avec eux. Mais non, les autres, non. Donc 6 ans de trêve. Parfait. Nickel. On va se battre contre eux parce que de toute façon, on va les bouffer complet. Donc, ce sera des rebelles. Il faut qu'on se batte contre eux. Un moment ou un autre. Voilà. Et on a juste été Black Flag après, c'est marrant. Pourquoi pas. Si tu veux, toi tu vas revenir ici. Toi tu vas revenir par là. Et du coup, on a un diplomate à qui on va simplement dire qu'on prend tout. Ce qui va faire entrer dans la cohale Patani. Les mecs qui sont là. Right. Très bien. Ça coûte des points diplo, mais bon, on les a pour le coup, donc c'est pas un souci. Et Passaï, on prend. Non, c'est pas là. Passaï. Tu prends Barousse. Tu prends Gaio. Et tu prends Kutaraja. Voilà. Donc comme ça, on a un Passaï qui est fat, on a un Perak qui est fat. On va bientôt les bouffer. Et si on essaiera de les bouffer en même temps, si possible. Regardons simplement à quoi ils en sont en termes de dev. 73 pour Perak, 76 pour Passaï. C'est proche. Il faut améliorer les relations violemment avec Passaï. On va arrêter parce que si on peut encore faire une. On va garder ces deux trucs encore un tout petit peu histoire d'avoir les 30 pour pouvoir faire deux revendications de plus chez eux. C'est toujours ça de prix. Et vous revenez ici. Parfait, nickel, top. Et les bateaux, vous rentrez à la maison, c'est très bien, parfait, ok, rien d'autre à dire, on peut construire des machins, pas top, est-ce qu'on a encore des trucs comme ça, fais-moi des trucs comme ça, ça fait plus de bateaux potentiels, on est bientôt à notre limite, plus au-delà de notre limite, ce qui est une excellente nouvelle, on peut aussi faire un peu plus de gaillards, si jamais, pourquoi pas. C'est intéressant. C'est à partir de quand déjà? Ah, il réforme K-pop, c'est pour ça. C'est juste. Non, c'est pas très très grave ça. Non. Puisque l'idée, je le rappelle, on va. Est-ce qu'on a le temps de s'arrêter? Je suis pas sûr qu'on ait vraiment le temps de s'arrêter. On veut attaquer. Sunda maintenant. Alors, on peut faire une revendication de plus chez Sunda. C'est très bien. Parce que, j'entends, Majapahit, hein, en tant que vassal, va nous donner la possibilité de prendre tout le reste de l'île. Mais pas Sunda. Donc tout ce qu'on peut prendre de Sunda avant, bah, c'est bien. Et donc, chaque fois qu'on légitime quelque chose, ça prend moins de temps à être... à chaque fois qu'on revendique quelque chose, ça prend moins de temps à être légitimé. Ça prend pas de points diplo quand on le bouffe, tout ça. Donc c'est toujours une bonne nouvelle. Celle-ci ou celle-là? Celle-ci, voilà. Et on va revenir. Et du coup, on va voir ce que ça donne quand on déclare la guerre à Sunda. Tu fais venir Blombongan. Ouais, ok, d'accord. Et Banjar. Ok. Ok, je vois. C'est pas un souci du tout, du coup. Ce qu'on va faire, tu vas venir ici simplement. Toi, tu vas venir là. Vu qu'il n'y a plus de détroit ici. Simplement se mettre ici. Je pense que 14 troupes suffisent. Amplement. C'est relou pour plusieurs points. Le premier, c'est que j'aimerais vraiment avoir l'entier de mon nœud. Et donc si eux, ils bouffent quelque chose, et si on vient dans la guerre, ils vont bouffer quelque chose, bah on peut pas faire grand chose.
Et du coup, on devra se battre contre Ayutthaya, qui est... Parce que virer notre ancien Ayutthaya n'est pas un problème, mais c'est un tributaire de Ming. Donc si on devait entrer en guerre contre Ayutthaya, ce qu'on peut regarder, c'est fun, ben, on aurait affaire aux 50 000 troupes de Ming. Ce qui est loin d'être idéal. Je crois que c'est le moins qu'on puisse dire. Tu veux quoi, 8, 6, 7... On est meilleur que toi, hein. On est meilleur que toi, Ming. D'un point de vue technologique. Donc c'est... pas top. Mais de toute façon, on va falloir se battre contre Ayutthaya à un moment ou un autre, et on n'a pas... Il me semble pas, en tout cas... Peut-être que oui, peut-être qu'on a une mission qui est liée à ça, c'est possible. C'est vrai. C'était juste pour moi, l'idée d'avoir notre nœud, c'est juste pour nous mettre dans une situation qui est suffisamment bien, pour qu'après on puisse rouler sur le monde par la suite. S'il nous manque une ou deux provinces, et en entrant dans cette guerre, force est de reconnaître qu'on peut contrôler ça. En tout cas, on peut essayer de contrôler, c'est-à-dire qu'on peut essayer de prendre des provinces pour nous ici. On peut même... potentiellement... Parce que Ayutthaya, tu veux quoi? Tu veux ça? Ouais, ça se défend. Le reste? Ouais, ça aussi. Ok. Ouais, t'as deux légitimations. Celle-là et celle-là. Que tu veux absolument avoir. Les trois autres, non. Voyons voir. Si je vais ici, je fais ça. Et je dis que je veux ça et ça. Déjà, hein, c'est un état. Ça peut être intéressant. Ensuite, l'autre point négatif, c'est qu'a priori... On contrôle, mais a priori... Non, ça fait pas venir Pagaru Yung. Peut-être que ça fera venir Pagaru Yung quand on aura... On peut essayer, hein. Hop, hop. Non, ça fait pas venir Pagaru Yung. Parce que le problème de Pagaru Yung, c'est que du coup, on serait dans une guerre contre Pagaru Yung dont on ne contrôlerait pas la trêve. Et ça pourrait nous mettre une trêve de 15 ans avec Pagaru Yung, ce qui est vraiment pas idéal, on est tous d'accord là-dessus, je crois. Sachant que c'est le dernier truc qu'il nous faut pour bouffer Sumatra. Et qu'on a fait notre possible pour avoir que 6 ans de trêve. Mais à voir, Pagaru Yung n'entrerait pas dans la guerre. Bon, on va accepter, parce qu'on va pas perdre 25 de... prestige pour ça, et ça nous empêcherait même pas, en théorie, de lancer notre guerre. On va voir, je pense que ça peut être intéressant si on prend un rôle un peu actif dans celle-ci. D'ailleurs, on va faire quelque chose, on va faire comme ça. Ça va nous permettre d'arriver beaucoup plus vite là où on veut aller. Même ici, en fait. Juste, j'espère qu'il n'y aura pas trop de... Lieu d'érudition, ça va aller vers l'égalisme, mais c'est bien. Et éducation de pays moins 1, mais ça va vers l'égalisme, mais c'est bien aussi. On commence avec un bon légalisme. 2-5-1, malheureusement. On disait donc qu'on voulait rester comme ça. Maintenant, on n'a plus tellement de raison d'être sûr de l'admin. Donc clairement, paf, direct. Ok? On a en plus un niveau 3 ici. Donc malgré le fait qu'on ait que 2 points, il va générer quand même pas mal, ce qui est intéressant. Ok, avec nos bateaux, on devrait arriver là pour pouvoir aller plus vite de ce côté-là. On peut quand même aller ici pour mettre vraiment tous nos forces de ce côté-là. Le Bengale, alors là, j'ai pas de problème à aller chercher un manage royal avec le Bengale. J'ai suffisamment confiance en le Bengale. On va faire notre... Okay. Troisième revendication sur Banjar. Parfait. Je crois qu'on peut revenir de Banjar, hein, ceci. Et... Nous, on veut aller... ici avec toi. Ça me paraît pas mal. Et toi avec nos troupes qui sont là, tu vas venir ici. Et là, on passe en vitesse 4 quand même. Alors là, c'est notre vassal qui fait le truc. Malheureusement, Ayutthaya a réussi à choper cette province avant nous. C'est le problème. La capitale, on va la laisser pour le moment. Ok, à voir. Eux ne sont pas entrés. Ils n'ont plus d'alliance. Donc bon, c'est une... Nouvelle, dira-t-on. Probablement on fait faux. Je fais toujours faux, il n'y a rien à faire. Va là, et toi va là. Je pense pas que ce soit un souci, honnêtement. Et je suis sûr que toi, t'as pas le... Qu'est-ce qu'on parie que le gars que j'ai mis, il a pas le... Si, il a le canon. Et là, c'est bon, tranquille. Donc ça, on prend, on garde. Ça, j'espère qu'on prend et qu'on garde. Tu peux nous laisser, d'ailleurs, à ma connaissance, que ça... Et dire que tu acceptes les gens. Vous autres, venez là. Toi, tu vas aller ici. Et on va aller te rechercher avec ça. Et toi, tu vas aller là. Ça, c'est tourné à Patani. Ok. Bon, c'est pas très très grave. Faisons une revendication sur Patani, par contre. Comme ça sera fait. Est-ce qu'on peut? Ouais. Non, on peut pas.
Non, non, on peut pas. Faisons quand même un réseau d'espions, puisque ce qui peut se passer, c'est qu'on nous donne une province qui est à côté d'eux dans cette guerre. Voire même simplement, s'ils prennent ça, on peut faire une revendication sur eux. Comme ça, on pourra les attaquer sans avoir besoin de passer par notre vassal. Alors, parfait, vous êtes OK ici. Toi, tu vas aller là. Saint-Pit. Et vous pouvez finir cette guerre-là. Et puis, on va reprendre nos bateaux là. On va les mettre ici. Pour pouvoir déclarer notre guerre contre Sunda. Dont les heures qui viennent. Voilà, vous récupérez un petit peu. Il n'y a aucun souci avec ça. Et on y va. Alors, on veut prendre... Ce qu'on veut prendre, c'est ça. Donc, mettons ça. On peut faire venir Brunei. Juste se faire bouffer, en gros. Ouais, il peut les occuper un moment, vas-y. Et nous, on va rendre Corbeligère en personne. On peut rendre Corbeligère en cela. Aucun intérêt, honnêtement. Et cela, c'est venir Macassar. Là, il y aurait un intérêt à les rendre Corbeligère. Et Macassar n'est pas un problème pour moi. Macassar, c'est le petit vert, là. Donc, vas-y. J'ai toujours pas le bon ici. Non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Arrivez. Voilà, là, c'est mieux. Voilà. Puis on finit juste de se reposer un petit peu, puis après on verra la suite. Alors, Bintan. C'est nos îles ici, qui produisent des encres. Et on s'en fout en fait. L'opinion de Béraud, c'est qui Béraud? Béraud. C'est ces gars-là, alors on s'en fout aussi complet. Par contre, il y a de l'agitation locale ou de l'agitation. Ben, prenons là où il y a moins d'agitation locale. Du coup, vu que ni l'un ni. Enfin, il n'y a aucune des autres conditions qu'un impact quelconque sur le reste. Le Brunei est content de se faire bouffer. Mythique. Ça va bien que ça va se passer. T'as du monde, t'as pas du monde. Très bien. Allons montrer qu'on est les meilleurs. Très bien. Et ça, on garde pour nous. Comme ça, tu bouffes pas ça. Parfait. Ok. Nos soucis. Alors, on revient là. Vous. Nos alliés sont en train de défoncer. Bon, c'est bien ça. Enfin, nos vassaux sont en train de défoncer les mecs, c'est cool. Et ici, du coup, maintenant, on peut prendre Kala et lui donner lui. Et aller là. Et faire venir un gars. Et faire aller là. Une revendication, mais sur notre vassal, je crois. Très bien. Faire un petit peu attention s'ils mettent des troupes dans leur... histoire, mais c'est même pas un grave problème. On va aller se mettre par là, mettons, assez au centre. Il continue. Bon, ça, c'est vraiment Patani qui se mêle de cette guerre, c'est vraiment relou. Ok, ce soulèvement indigène devrait pas être un souci. Ok, très bien. Alors, gagner 18 points de faveur, on a rien gagné pour nous, et ils ont pris qu'une seule province. Ça me va comme compromis, personnellement. C'est d'autant plus qu'on génère des faveurs, je suis pas sûr que ce soit très, très intéressant, mais quand même. Ok. On reste là pour notre histoire ici. Donc eux, on les a rendus co-belligérants. L'idée étant donc d'aller les défoncer. Je pense que Macassar est potentiellement sortable. Siège de Banjar. On gagne du professionnalisme de l'armée, on perd de l'argent. Ouais, je veux du professionnalisme de l'armée, c'est très bien. On est passé à un niveau supplémentaire, c'est parfait. On peut, oui, établir les régiments d'élite, volontiers, nickel. Et on va défoncer leur bateau. Avant ça, je disais Macassar, si on leur demande rien, Macassar n'est même pas venu dans la guerre. D'accord, ok. Ça se défend. Eux, par contre, comme je disais, vu qu'on les a rendus co-belligérants, rien ne nous empêche de les bouffer. Ok, c'est cher. Je prends un état. Ça me met une coale avec Patani, Banjar, Sunda. Banjar et Sunda, on aura une trêve. Béraud, ok. Blam, 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 contre qui on aura une trêve, et Bali.
Donc en gros, Béraud, Patani et Bali. Voilà, je pense qu'on s'en remettra. Regardons si on peut même aller plus loin. On peut pas vraiment aller beaucoup plus loin. On prendrait 91. On rajoute Champa. Ça sert à rien. Pour le moment, faisons comme ça. Tranquille. On prend ça. Et on se rapproche un petit peu de Brunei. Je pense que c'est ce qu'on fera ici. Ou alors... Bon, c'est dans le bon nœud. On peut peut-être se contenter d'aller chercher... N'exagérons pas. On va chercher ces deux provinces parce qu'il y a un nœud commercial. C'est très intéressant. On ne génère pas énormément. Et on peut se permettre du coup de bouffer une bonne partie de Sunda après. Je pense que c'est peut-être plus intéressant. On va aller sur quelque chose comme ça, à mon avis. Déjà défoncer leur armée. Parfait. C'est fait. Ils avaient un heavy. Voilà. Alors... Si je... Anjar ne veut pas perdre sa capitale, ça se défend absolument, bien sûr. Non. Je pense qu'on va pas trop tarder à aller... On va finir le siège de ça, puis après on ira aller directement sur eux. Combien il y a de troupes du côté des autres ? Sunda et Banjar, blablabla, blablabla. Ouais, il y a peut-être suffisamment pour nous poser des problèmes ici. Mais de toute façon, on n'aura pas trop le choix. On sera un peu obligé de faire... Enfin, va ici plutôt, toi. De faire, un moment ou un autre, venir nos troupes. Donc autant y aller direct. Hop, 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 hop. On y arrive. Ah, ils ont pris le siège. Sérieux, ça m'insupporte ce genre de truc. Ils ont 14%, ils prennent le siège. Ok, bon, du coup, ça va être beaucoup de pertes pour quelque chose qui n'était absolument pas nécessaire. On va les laisser faire leur siège. Et nous, on va revenir de toute façon au prochain épisode, parce que celui-ci est arrivé à son terme. La prochaine fois, bah, c'est pas bien compliqué, on va finir cette guerre, tout simplement. Je pense qu'il n'y aura pas grand-chose de plus à faire. Donc on va se diriger là-dessus. Mais on verra tout ça la prochaine fois, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous dis à la prochaine, bye bye.